Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va parler de box mystère, donc plus particulièrement une horror box thématique Halloween. Donc, vous connaissez tous le principe de la box mystère, hein. On trouve plein de variantes, hein, tout ce qui est wood box, geek box, etc. Donc, on en a à tous les prix, hein, 30, 40, 50, j'ai même vu des box à 150 euros. Donc là, je suis parti sur une box à 60 euros. Et le principe de la box, c'est vous achetez une box, donc on va dire par exemple une box à 60 euros comme celle-ci, et vous avez en théorie du contenu qui équivaut au double en termes de prix, hein, qui équivaut au double du prix de votre box. Donc pour une box comme celle-ci qui vaut 60 euros, on est sur du contenu qui équivaut à peu près à 120-130 euros. Donc j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc je vous propose de découvrir tout de suite ce qu'il y avait dans cette box mystère. C'est parti. Donc, quand j'ai ouvert ma box, la première chose, le premier article sur lequel je suis tombé, une casquette. Bon, généralement, c'est le truc qu'on retrouve qui est commun à toutes les box, voilà. Dans toutes les box, généralement, on vous offre une casquette. Je fouille dans la box et je sens une espèce de tissu, donc je me dis, évidemment, c'est un t-shirt. Alors par contre, le t-shirt, je le trouve vachement classe. Voilà, donc t-shirt Halloween, Michael Myers. Alors je m'attendais vraiment à un t-shirt vraiment simpliste, hein, c'est-à-dire genre un t-shirt avec marqué Halloween et le logo de la citrouille ou éventuellement le logo du masque, enfin le masque de Michael Myers. Là, on est sur un visuel vraiment, vraiment sympa, hein, un visuel un peu comics. Donc là, je me suis dit, bon, ça y est, on commence à rentrer dans la thématique de la box, à savoir Halloween. Je fouille dans la box et je tombe sur ça. Donc, figurine pop, Michael Myers Halloween 2018. Voilà. Je me dis franchement, bon, on est toujours sur la thématique Halloween, Michael Myers, donc bon, elle échoue, hein, mais bon. Voilà, bon, pas trop déçu. Je continue à fouiller dans la box et je tombe sur ça. Donc, c'est alors toujours, donc c'est sous licence Funko. Voilà. Donc, alors moi, c'est ce que j'appelle une baby pop. Pourquoi baby pop? Tout simplement parce que la figurine a un look de poupon. Je me dis, bon, ça va, on est toujours dans la thématique Halloween, horror box. Voilà, petite boîte fenêtre plutôt sympathique. Voilà, et puis bon, c'est sous licence Funko. Donc, ça va, je me dis, bon, c'est plutôt sympa. Je fouille dans la box et là je tombe sur ça. Première grosse boîte. Voilà. Donc il s'agit. Donc Laurie Strode, Halloween 2018. Donc figurine NECA, entièrement articulée. Donc on est sur la figurine en plus, on est sur la figurine Ultimate Edition. Voilà, donc avec la figurine, les différents accessoires et en arrière-plan en carton, ce qu'on appelle un diorama. Donc là, j'étais quand même plutôt content. Je me dis, là, ça va, franchement, la box est quand même plutôt bien rentabilisée en termes de qualité. Franchement, figurine NECA, faut savoir que, ouais, une figurine NECA, donc généralement les Ultimate Edition chez NECA, elles sont entre
35 et 40 euros. Je dis bien en moyenne, 35 et 40 euros. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur Amazon, elles sont moins chères et tout ça. Là, on se base sur le prix boutique. Tout ce qui est eBay et compagnie, ça ne compte pas. Voilà. D'autant plus que sur eBay, quand vous prenez des figurines, par exemple des figurines NECA, j'en ai déjà vu, vous allez payer par exemple la figurine 20 euros et vous allez vous taper 15 euros de frais de port. Donc, ce qui revient exactement au même. Voilà, donc au final, je me suis dit, bon bah franchement, pas déçu, première bonne expérience. Et puis, quand j'ai rangé les articles, je me suis, en enlevant tout ce qui est papier bulle, papier de protection et tout, j'ai vu qu'il y avait encore une autre boîte, parce que c'était pas fini. Et je suis tombé sur ça. Donc, toujours une figurine. Donc, là, il s'agit de Michael Myers, édition NECA. Voilà, Ultimate Edition avec la citrouille qui clignote. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, toute une gamme d'accessoires. Voilà, les mains qui peuvent être interchangées. Idem pour la tête. Voilà. Donc on est quand même sur un produit de qualité. Donc au final, je me suis dit, mais putain, 60 euros la box pour avoir tout ça. À savoir que rien que les deux figurines, on en a déjà pour 80 euros. Voilà, 80 euros déjà, rien que les deux figurines. Donc je me dis, là, c'est... Je me suis dit, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Voilà, donc je vous laisse voir. Voilà. Donc, c'est même pas les figurines, genre, on va dire, les figurines premium, hein. Là, on est vraiment sur des figurines Ultimate Edition. Donc, coffret, boîte fenêtre. Voilà, tous les accessoires. Donc au final une box assez complète, donc qui contient pour résumer donc deux figurines sous licence NECA, une Baby Pop sous licence Funko, voilà, une Pop Funko également, un t-shirt assez stylé Michael Myers et une casquette. Donc 60 euros la box et j'ai fait une estimation approximative, voilà, du contenu. On est à peu près sur 120 euros de contenu. Au final, je suis plus que satisfait de mon achat. Voilà, une box à 60 euros et qui contient à peu près pour 120 euros de contenu. Qu'est-ce que ça vaut par rapport aux autres box qu'on trouve dans le commerce? Donc, alors généralement, les autres box, c'est tout. Vous allez toujours avoir généralement une figurine pop, un t-shirt, une casquette et des goodies. Voilà. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas forcément. Enfin, ça ne vise pas forcément le même public. Tout ce qui est box avec un t-shirt, une casquette, un mug, une pop, etc. Pour moi, personnellement, ce sont des box, on va dire, geek. Je dis bien geek entre guillemets. Là, on est plus sur une box de collectionneur. Donc c'est pour ça, on est vraiment là, je pense qu'on est vraiment sur des box vraiment qui ciblent un public bien particulier. J'aime beaucoup NECA parce que NECA, c'est une marque qui fait des figurines de qualité et à un prix abordable. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, bah, je suis plus que satisfait de l'achat de cette Horror Box thématique Halloween. Voilà, si vous avez des questions en ce qui concerne les figurines, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux, blog, Facebook, Instagram et compagnie. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous.